Ilona Goss, des nouvelles sur la queue que Julien Baer lui a volée. Ilona Goss a dernièrement divulgué des vidéos sur YouTube où elle partage des nouvelles de sa situation financière. Elle en a profité pour en dire davantage sur le remboursement de l'argent que Julien Baer lui aurait dérobé. Rappelons-le, dans ses précédentes vidéos, la star de la télé-réalité avait révélé que son ex-fiancé avait été viol avec elle. Elle a également confié que Julien avait pris l'argent de leur compte commun. Selon le récit de Ilona, son ex-compagnon l'avait étranglée. Ayant les yeux noirs, elle ne l'avait plus reconnue. Elle se souvient seulement qu'elle ne pouvait plus respirer, a-t-elle confié dans sa vidéo. En plus des violences conjugales, l'ex-fiancé de Julien Baer l'accuse en plus de lui avoir volé de l'argent. Il a pris plus de 80 000 euros de leur compte commun. Sur les multiples accusations à son encontre, Julien a cependant reconnu qu'il est coupable de certaines choses. Sans préciser de quelles accusations il s'agit, il a par ailleurs nié certaines d'entre elles. Après leur rupture, Ilona a par ailleurs révélé qu'elle n'a plus jamais revu le jeune homme. En vidant leur compte commun, Julien Baer a malheureusement laissé Ilona Goss avec d'énormes dettes. Pour aider l'influenceuse, ses fans ont alors décidé de mettre en place une cagnotte. Seulement, l'ancienne candidate de Les Apprentis Aventuriers a préféré agir en mettant en place des codes promo sur ses stocks pour rembourser les sommes dues. Lorsqu'Ilona Goss a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, elle a précisé qu'elle doit vite payer pour faire avancer les choses. Il le faut, étant donné qu'elle n'a jamais rien reçu de son ex-amoureux. En effet, la jeune femme a précisé qu'il n'a jamais donné de ses nouvelles. En plus de ses problèmes financiers, il a également fallu que Goss se confronte à une rupture amoureuse. Ilona avait également évoqué le sujet dans sa récente vidéo. Profitant de la fameuse vidéo, Ilona Goss a fait des révélations sur sa rupture avec Paul André. Comme elle l'a expliqué, il a quitté la maison après s'être disputé avec elle. Puis, le jour de la Saint-Valentin, le jeune homme lui a ensuite avoué qu'il l'a trompé avec une autre. Selon Ilona, Paul André a ramené son amante chez lui. En mars 2023, Paul André a par ailleurs reconnu son infidélité. Dans un long message sur les réseaux sociaux, il a expliqué que tout ce que Ilona a révélé dans sa vidéo est vrai. Leur quotidien était devenu très difficile. Que ce soit financièrement ou au niveau de leur couple. Ilona a notamment été difficile avec lui à cause de ses nombreux soucis. Paul André a ensuite eu assez de se disputer avec elle à cause des erreurs de Julien Baer. Il a cependant avoué qu'il a commis une grosse erreur et qu'il regrette leur séparation.